YouTube, Franck va rentrer le premier, il s'est proposé. Ok. T'es sûr de ce que tu fais, hein? Non. J'ai absolument aucune idée de ce que je fais, Franck. Alors, j'ai... Je vais te décevoir, mais en fait, on est dans des bois. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, je vais monter sur un arbre, je vais regarder où est-ce qu'on est arrivé, là. Ah bah oui, ah, génial, mais... hein. Quelle aventure, hein. Oh, il y a une abeille, là. Bah oui, j'ai vu, mais on va pas la ramener, tu vois. Bah non, non, on va pas la ramener, non. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attends, je vais faire une... On va utiliser notre technique de bite en bouse. Ah merde, j'ai attaqué par une abeille. Bah oui, mais elle les attaque pas. Bah oui, mais moi ça m'amusait de les attaquer. Je fuis. Ça a l'air très efficace. De quoi, de fuir? Je crois qu'elle t'en suivi dans le nether, non? Non, en fait. Non, non, elles m'ont pas suivi, en fait. D'accord. En même temps, tu tapes des abeilles. Est-ce que t'as pris un seau d'eau? J'ai un seau de lave. Non, mais non, parce que si je saute dedans, je vais pas du tout obtenir l'effet que je souhaite obtenir. Oh, par contre, j'ai un cochon qui est dans le nether. Alors, je regarde si je vois des trucs intéressants. Je crois que c'était assez inattendu pour lui. Il y a une pyramide, là-bas? C'est une pyramide, ça, les gens? Oh, il y a un truc, il y a un truc intéressant, je crois. Est-ce que tu crois qu'elles m'en veulent encore? Non, non, elles t'en veulent plus, laisse-t'en barrer. Non, j'arrive, hein, pâté de singe. Moi, je te vois. T'es où? Bah, je suis au-dessus de toi, je suis dans l'arbre, là. Hein? Alors, en fait, j'étais parti pour me faire une tour, mais le problème, c'est que je peux pas redescendre. Attends, par là-bas, il y a l'air d'avoir une espèce de pyramide. Attends. Une pyramide? Ouais, par ici. Je vais mettre des blocs rouges, comme ça, on retrouvera notre chemin. Hmm. Vu que c'est les seuls blocs... Pas de seau d'eau dans le désert, c'est comme le lit. Ah oui, alors pour le seau d'eau, ouais, j'ai vu. Il faut un feu de camp pour récolter le miel. Oui, oui, je sais. Je sais plus qui l'avait dit, d'ailleurs. Oh, regarde, Franck. Quoi? Bah, c'est un autre village. Non, mais regarde les arbres autour. C'est bah, quoi? C'est des sortes de marécages? Bah oui, c'est les marécages, mais on a déjà traversé le marécage. T'es sûr? Bah sûr, mais par contre, il y a un paquet de décors. Oh la vache, t'as vu les grandes maisons qu'ils ont? Attends, je vais aller voir. Moi, oh, ça m'intrigue. Bah, c'est sûr, on va visiter. Tu crois qu'ils ont des boutiques de souvenirs? Je vais en profiter pour leur piquer les fruits et les légumes. Des nénuphars? Oh, mais attends, ils ont peut-être des plantes qu'on connaît pas là. C'est quoi qu'ils mais ont Jack, ici? Les nénuphars, j'en ai déjà récupéré. On est déjà passé dans le biome marécage. Putain, je m'en souviens pas. T'es sûr? Mais sûr, j'en avais récupéré une chier. J'ai rempli le coffre de la première base. Putain, je commence à avoir Alzheimer, moi j'ai l'impression. Hein. Le marais. Ils ont plein oui, de couches. Le marais. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est vachement plus grand. Regarde, ils ont carrément du sol en plaque et tout. Putain, on est tombé sur le village de Charlot, quoi. C'est immense. Mais c'est pas un village de Charlot. On leur a apporté la technologie. C'est quoi cet endroit? Non mais regarde, t'as vu ce qu'ils ont? C'est quoi ça? Bah c'est un forgeron. Réparé et désenchanté. T'as vu, il a un bandeau de pirate. Et t'as vu? Lui, il a de la lave. Ouais, c'est pas un connard, quoi. On a vraiment tombé sur un... Oh, mais t'as vu, il y a des coffres. Oh, ils ont des trucs. Attends, je leur pique des objets. Mais non, on leur pique pas. Mais attends, non, je vais pas piquer. Non, mais vas-y, tu peux... C'est bon, j'ai tout piqué. Ouais, j'en doutais pas une seule seconde. Regarde comment ils sont choupignous, les maisons, en plus. Une forge et son forgeron. Oh, c'est joli. Oh, dis donc, hein. Bon, il n'y a pas de lit, mais... Et sans déconner, ils se mettent bien. Bah, carrément. À la limite, c'est plus beau que chez nous. Bah, c'est pas... Non, c'est pas que c'est plus beau que chez nous, disons que nous, c'est différent. Non, celle-ci, elle est pourrie comme chez nous. Non, mais c'est une autre culture, Jack. Faut pas... Voilà. Oh, puis regarde là-haut, il y a encore plein de maisons. C'est fou. Il est où, le portail? Bah, il est... Ça, c'est une bonne question. Il est à droite. À droite de quel côté? Bah, à droite, par là. Ah oui. T'as l'air vachement sûr de toi. Là, on va le retrouver. Attends, et si tu veux fouiller les maisons, regarde. Tu veux que je te montre la méthode? Regarde. Voilà, et ils vont tous radiner. Mais non, il est rentré chez lui. Venez ici. Je vous tue tous. Tu l'aimes beaucoup, ce village? Bah attends, je le fouille. Ouais, vas-y, fouille. Je vais voir si je trouve d'autres coffres. C'est intéressant, ça, qu'il y ait des coffres dans les villages. Hop, et encore un coffre. Oh, des rubis et des pommes de terre. Je lui pique tout. Hein. Je prends tout, Franck. Hein. Et attire leur attention.
Ah oui, mais t'inquiète pas, je viens de leur attirer l'attention. Ça va les occuper pendant un petit moment. Ah, il y en a un qui vivait là, c'était pas facile de rentrer chez lui. Encore un coffre. Oh, il a des pommes. Comment ça, méchant? Mais j'ai rien fait. Alors, je vais lui laisser les pouces et je vais lui donner un nénuphar en échange. Il y gagne, hein. Il y gagne au change. Oh, mais il y a des... T'as vu ça? Il y a des coffres dans le village. C'est cool, ça. Ouais, je trouve ça très très cool. Oh, il est bien. Salut, monsieur Etienne. Merci. Non, je voulais pas. Je regardais ce qui se passe. Tu vois, Jack, j'ai occupé leur attention. Ils sont mieux installés que vos paysans. Mais non, regarde, ils sont pas mieux installés que nos paysans. Regardez-nous, là, l'armée qu'on a. Mais non, mais tu sais, un village, c'est un peu particulier. Franck, quoi? Pourquoi il y a une des maisons qui brûle? Je sais pas. Je comprends pas. C'est quand même assez bizarre, je trouve. Ah oui, c'est bizarre. Hein. Aïe! Mais ah, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire attention avec le feu, Franck. Mais j'ai rien fait, c'est toi qui joues avec le feu, même pas moi. Oh, mais t'as foutu le feu à la maison? Mais non, j'ai pas foutu le feu, c'est cette bande d'abrutis. Mais... qu'est-ce que tu fais? Leur village est 100 fois mieux que le nôtre. Espèce de pyromane. Mais non, mais ça se trouve, les objets repop. Enfin, on va aller voir là-bas, parce que je vois encore des marais. Tiens, regarde, tu vois, ils savent pas cuisiner. Mais c'est quand même fou qu'on ait pas trouvé de désert. Oh là 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 là. Y'a quoi par là? Ah oui, non, mais bon, moi, il y a des trucs que je peux pas faire, hein, c'est sûr, hein, voilà, bon. Moi, je veux bien leur donner un coup de main, mais tu vois bien que j'y arrive pas, hein. En tout cas, on peut pas dire, le bois, ça brûle bien. Y a pas à dire. T'es où, au fait? J'étais allé voir un petit peu plus loin que le village, s'il y avait truc. Mais c'est bien que tu l'aies allumé, parce que du coup, moi, ça me permet de me repérer plus facilement. C'est si barbare. Mais non, pas du tout. Je fais de la place pour de l'immobilier. Et regardez, ça s'éteint tout seul, ça va. Oh, regardez, ils ont fait un truc à pot de fleurs. Ouais, ils ont fait ça avec des trappes, mais c'est carrément une bonne idée. C'est très joli. C'est très joli. Ça brûle. Oh, je l'ai pas fouillé celle-ci. Oh, elle est belle et grande. C'est très bien. Oh, ils ont fait. Oh, mais elle est jolie comme tout. Bon, allez, je vais rien faire. Je vais rien faire. Ouais, enfin, faut accéder à l'étage, merci quoi. Ah, y a une échelle, hein. Ouais, y a une échelle. Y a une échelle. Oui, ils ont fait un petit balcon, quoi. Bon, bah. Ouais, ça c'est va, super sympa. Non, ça, on est quand même mieux chez nous, hein. Y a pas à dire. Hein. Voilà. Ceci est une dédicace de l'influenceur à notre cher Patty. Bonne nuit, Karine, bon, des gros celle-là, bisous. Celle-là, elle ressemble à ce qu'on a déjà fait. Est-ce que tu veux qu'on pratique une politique simple? Bon, moi par exemple, je refuse qu'on ait des voisins. Ouais, mais enfin, on n'est pas spécialement voisins. Et surtout, c'est un bon repère pour retrouver le portail. Comme ça, il refera. Voilà, il y a des cultures qu'on n'avait pas. Maintenant, je les ai. Sérieux, t'as trouvé quoi? Je sais pas. Non mais je voilà, écoute, t'avais mis des repères pour le portail ou pas? C'est à moi que tu parles, Jack. Je n'ai pas mis de repères. C'est pas bah mal, si, hein. Tes pieds rouges, elles sont là. Où ça? Là, en face de moi. Oui, je l'avais vu. Pilleur. Mais non, ah, on n'est voilà, pas on des pilleurs mieux, ça brûle éternellement sur les pierres rouges ou pas? Vous voyez, ça comme brûle ça éternellement, c'est chouette, hein. Bah ça fait des belles... Déjà c'est beaucoup plus simple à gérer. Ils sont outrés. Ah, boum. Boum. Ah, pas de boum. Jack, oui. tu es cerné. Voilà, c'est ce que je te disais, tu es cerné en fait. Voilà. Petit bâtard, il m'a pété mon... Ah, c'est joli. Regarde avec les petits trucs rouges comme ça. Parce allumer que dans le nether, en fait, quand t'allumes du feu, il s'éteint jamais. Bâtard. Et merde. Merde. J'étais en train de dire la chatroom. Je crois que t'as explosé, Franck. Tu vas réussir à revenir? Oui, oui, bah, je vais revenir à fond de balle. Le ciel t'a puni. Pas grave, le poulet a amorti le choc. Ah ouais, carrément, là. J'attends à côté de ton stuff au cas où il y aurait des vilains. Ah bah là pour le coup, bah c'est surtout que je...
toujours la faute du chat. Bah, en fait, je regardais sur ouais, le il coin accuse et... le chat à chaque fois, c'est vrai. Oh ouais. Incapable d'admettre que... Ah, mais j'étais pas attentif, hein. Ah, voilà. Il ne faut pas être un barbare avec les villageois. Ah oui ? Ah, attendez, j'ai pas fini. Ça se trouve, on va perdre de la réputation. Mais on va rien perdre du tout. Moi, je pars du principe que ce sont simplement... Aïe, je suis en train de me faire tirer dessus par un squelette. Je suis pas armuré, j'ai mal au cul. Cours. Ah bah, là, je suis plein de balles, hein, si tu veux, donc... Oh merde ! Courir, si tu veux, je cours. Mon dieu. Tac ! Au secours ! Non mais j'ai 3 points de vie, je vais me faire buter. Ah mais t'es dans le Nether ou t'es dehors ? Mais dans le Nether, où tu veux que je sois ? Le stuff... Ah, le stuff de Franck risque de cramer, je ramasse tout. Voilà, j'y suis. T'es où ? C'est bon, bah je suis en train de ramasser ton stuff. J'ai plus de place, dépêche-toi. Y a du feu partout. Vas-y, vas-y. Bah c'est parce que le système d'éclairage a tendance à être un petit peu erratique. Erratique ? Oui. T'as une flèche dans le cul, Franck. Mais te brûle pas. J'ai mal au cul, surtout. Attends, je pense qu'il faut, parce que si tu reprends feu, il faut que je puisse t'éteindre. Alors, le système d'éclairage, sur le principe, est très bon. Par contre, installer des... qu'est-ce qui se passe ? Oh, fais gaffe, il y a un squelette. Ouais, mais est-ce que tu peux me rendre mon stuff, c'est-à-dire mon bouclier ou un truc qui pourrait me permettre de protéger mes... Attends, je te protège. Voilà, c'est bon. Attends, j'arrive. Ouais. J'ai dû te le ramasser. Oui, c'est bon, il est là. Tiens. Vas-y, je te laisse le jeter. Ouais, il est posé par terre devant toi. Quoi, c'est tout ? Bah ouais. Est-ce que j'ai récupéré un casque ? Non. J'ai un plastron, mais t'as déjà le tien. Ouais, par contre, est-ce que t'as des bottes ? Des bottes ? Oui, exact. Tiens. Merci. Ouais, c'est bon. Perfecto. Bah nickel, regarde ça, et on a un système d'éclairage. Oh, les pierres du Nether, c'est quand même super commode. Hein. Mais par contre, ça fout le feu à toute la forêt, là. Mais non, ça brûle un petit peu, mais ça, c'est un accident, ça. Bon, on le détruit, ce portail, on va ailleurs. Mais non, on peut le laisser, ça nous fait un intermédiaire. On sait qu'il y a un marais, par exemple. Tu vois, ça peut servir. Je sais pas si on devrait avoir de bonnes réputations. Ah, bah il y a un cochon, ici. Oui. D'accord. Il y avait un cochon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ils prennent un peu trop leurs aises, je trouve, les mecs, là. Hein. Moi, ça m'agace, hein. Un tout petit peu. Tu veux qu'on le tue ? Non, laisse-le, de toute façon, il repop. Alors, à chaque coup, il y en a de plus en plus. Bon, ouais, la forteresse du Nether, bah, va falloir qu'on explore. Hein. Il n'y a pas le choix. Ouais. Alors, est-ce qu'on n'explorerait pas, tu te souviens, là où on avait notre ancienne base ? Ouais. Il y avait des endroits plus simples à explorer, je pense. Tu trouves ? Bah ouais, c'était des espaces un peu ouverts. Tu vois, il y a par là aussi, on n'a pas fait par là. Regarde, par ici, on a une belle visibilité. Ça se trouve, il y a une forteresse par là. Oui, bah on peut y aller, hein, de toute façon. Oh, regarde, là-bas, il y a de la pierre chelou. De la pierre chelou. Qu'est-ce que t'appelles de la pierre chelou, ma poule ? Il y a des pierres blanches. Des pierres blanches. Là-bas. Ouais, non, c'est les portails, c'est ce qu'il nous disait. C'est les restes de portails en verre ou je sais pas quoi. Ah, d'accord. La nouvelle forteresse du chaudron noir. Mettez une pancarte sur le portail pour signaler où il mène. On en a pas beaucoup, donc je pense que ça devrait aller. Oui, pour l'instant, là, deux portails, on est très large. Il faut que j'aille vider mon inventaire, par contre. On a deux portaux. Oui, pardon. C'est que t'es très à cheval sur la... Ouais, bien sûr. Quelle bande de charlots. Je suis quand même content qu'on rentre à la maison. Après les coffres, Jack va éparpiller les portails. Mais il les éparpille pas. Il nous permet d'étendre notre... Domaine. Territoire. C'est le terme que tu cherchais. Non, territoire. Il faut être impérialiste hein, sur Minecraft, je pense. Notre dominion. Exactement. Je vais aller foutre le bois dans un coffre à bois. Je pense que nous devrions retourner dans ce village afin de leur montrer qui est le maître. Ouais, mais je crois que ça casse la réputation de façon générale dans tous les villages. Tu crois ? Ouais. Oh, ils ont pas vu comment ça se fait qu'ils ont pris le feu. Oh, ils ont bien vu que c'était toi. Ils se sont dit, le mec là avec le plastron en or, c'est un boucher. Mais pas du tout. Mais je ne suis qu'amour. Mais pas du tout, je ne suis qu'amour. Enfin, t'es...
T'as l'amour un peu rude, hein, quand même. Faut quand même le reconnaître. Ah, la canne à pêche est ici. Alors non, il y en a qu'une. La deuxième, elle est partie en... Voilà. Elle est là, ici. Il y a une canne à pêche là-dedans. Ouais, ouais. Celle-là, c'est celle qui est maudite. Ouais. Bah, elle disparaît quand tu meurs, en fait. Vous en avez pas trois? Des portails? Attends, on a celui qui revient à l'ancienne base. Et le deuxième, bah non, c'est celui des marais. Ouais, non, on a trois portails. Hein. Enfin, en tout, dans le monde, là, actuellement, il doit y en avoir quatre ou cinq. Parce qu'il y a les portails de mes filles, aussi. Oui, mais... Ceux de tes filles, on sait pas où ils sont. Bah non, puis on risque pas de les trouver. On a déjà du mal à trouver les nôtres en faisant exprès, alors... Très honnêtement, je doute qu'on tombe dessus. Hein. Tu veux qu'on reparte en exploration? Ouais, ouais. J'ai envie d'essayer de voir si on peut pas trouver cette fameuse forteresse-là. Alors par contre, je vais pas prendre ma pioche en diamant. Je vais prendre une pioche pas diamant. Moi, j'ai pris une pioche en fer. Hein. Tout ce qui est plus con. On prend un truc tout simple. Par contre, je vais prendre de la pierre grise, parce que pour marquer dans le Nether les itinéraires, c'est une bonne idée. Ah, c'est pas con ça. Parce qu'il n'y a pas de pierre grise dans le Nether. Oui, et donc automatiquement... Oui, si on voit des pierres grises, il faut juste que... Ouais. Voilà, elles sont là. Je pensais village des martyrs, mais il n'y a pas de martyrs. S'ils savent pas cuisiner et que ça a pris feu... Ah, mais t'as déposé ta pioche en diamant, oui, d'accord. Franck nous a fait une petite ouradure sur Glan quand même. Mais pas du tout, mais pas du tout. Et un portail à l'ancienne base, un portail à cette base-là, et maintenant un troisième portail pour les marais. Le village brûlé. Le village n'a pas brûlé, déjà, et effectivement, oui, il y a trois portails. Bon, bah voilà. Avec son armure de gold, Franck leur a mis un peu de chaleur au fond de leur cœur. Ah ça, il leur a mis de la chaleur, hein, putain. Ça, c'est pas au fond de leur cœur, hein. Je me demande si tout crame ici. Ça peut être pas mal. Et Franck a des pulsions pyromanes. Mais non, pas du tout, je trouvais que c'était rigolo. Pardon. Je respecte ça. Oh, j'ai entendu. Merci. Non. Et tu vois, ici, à un moment, en fait, alors j'ai rebouché d'un seul côté. Jack, j'ai oublié de te dire. Alors, si dans un des couloirs t'entends grogner, c'est normal, j'ai emmuré un mec. Quoi? Regarde par ici. Alors déjà, on va récupérer du bois joli. Mais tous les villages qu'ils vont croiser vont devenir des villages de martyrs. Mais non... Voilà, c'est bon, je suis satisfaite. C'est vrai? Regarde, bah en fait, non, il y en a que deux. C'est un espace gigantesque ici. Regarde tes pieds. Oh, putain, le bâtard. Franck devient un pyro-barbare. Mais je suis pas un barbare. Oh là, mais c'est fou quand même, cette image. On demanderait bien aux cochons, là, s'ils ont pas des forteresses dans ce coin-là. Oh, on a un espace où on voit beaucoup, là. Ah, tu es en train de te faire charger, Jack. Oh. Voilà. Je lui ai mis un coup d'épée. Moi, je crois que tu m'as touché dans l'opération. Ah bon? Quand j'ai fait mon compte? C'est le principe d'une épée. Oh. Ah, mais on irait pas en contrebas là? Alors, il y a en contrebas et il y a en montant d'abord, non? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi, tête de pioche? Attends, on met un marquage. Oui, on regarde par où. Il faut tester. Encore? Putain. Deux fois tu te fais charger ma poule quand même. Tiens, mais il s'est barré où? Il est en train de monter, regarde, il est là-haut. Le petit bâtard. Il va faire tout le tour et une fois qu'il va se calmer, mais t'es où toi? Attends, je mets mes blocs. Mais tu vois, regarde, il est en train de recharger. Regarde, attends, il va venir. Je vais lui montrer moi un petit peu ce qui se passe. Non mais ça sert à rien, tu vois bien qu'il est costaud le pepperoni. Ah ouais, non mais ils sont super balèzes hein. Alors peut-être parce qu'on s'y prend comme des manches aussi, tu vois. C'est pas complètement exclu. Tu as gratuitement brûlé des maisons et traumatisé des villageois, c'est barbare. Les faits sont clairs. Mais j'ai rien fait mais du tout. Arrêtez, attendez. Les gens, c'est... Non mais attendez, c'est culturel que... aussi, vous avez l'impression que c'est violent parce que... Non mais tu sais le problème, c'est les idées modernes. Ça les a rendus, mais des fragiles quoi. Des fragiles. En plus, c'est jamais qu'un petit incendie quoi. Non et puis c'est pas ça, moi. Je veux dire, je pars du postulat. Que honnêtement, on leur apporte un savoir, des connaissances. Bon, et pour les autres villages, bon, on brûle. Oh, là, il y a un truc. Oh la vache, il y a du. Fais attention parce que là, je crois qu'il y a une sorte de trou quand même, un peu. Oui. Ah oui, c'est vachement. Vachement grand. Pas de clip, pas de preuve. C'était pour la science, ça fait de l'emploi dans le secteur du bâtiment. Ah, tu vois? Et on relance des économies. Ah, bah voilà.
Il y a un passage par la gauche ici. Ouais. Bah, on je vais aller voir par là, moi. Passage, non ? Ah oui, non, mais moi j'ai pas pris de pierre, donc je t'accompagne. Oh, et attention, il y a un trou ici. Et c'est bon. Et Jack ? Oui. Moi aussi j'ai trouvé un trou. Regarde, il est juste devant moi. C'est toi le trou. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Le destin de Minecraft t'a fait mourir par le creeper, Franck, pour t'indiquer que tu étais dans l'erreur. Il serait fou de persister. Mais non. C'est de l'inattention. Tu vois, par exemple, là, je leur prends leur or. Et s'il y en a un qui rebelle, bah je le brûle. Alors, oh, regarde, il y a une surface étrange, là. Pas du tout. Ah là-bas, regarde, là-bas, il y a du foncé. Du foncé ? Là-bas, au fond, là. Il y a du foncé, regarde. Eh ben, je ne suis pas d'accord, monsieur Jack P. Allons vérifier. Oh, c'est du foncé, ça. Oh, regarde. Oh, il y a ton premier gasp. Gloops, je ne sais pas. C'est quoi ce truc blanc là ? Bah regarde, c'est ça, c'est un gloops. Mais c'est dangereux ? Oui, fais attention. Oui, non, mais dangereux, sur une échelle de 1 à 10, je... Est-ce que t'as pensé à prendre un arc ? Bah, non, tu te doutes bien que j'ai pas pris un arc. Bah oui, bien évidemment. On parle de moi là. Oui, ça crache du feu. Ah, ça crache du feu ! Ça crache des boules de feu. Ah, il a disparu. Par contre, je t'ai perdu, Jack. Ah, voilà. Oh oui, si, c'est ça la forteresse, regarde, il y a de la pierre. On me dit que c'est entre 7 et 9 en termes de violence. Oh mais regarde. C'est ça une forteresse ? Il y a de la pierre noire. Bah oui, il y a de la pierre noire. Bah elle a une drôle de gueule leur forteresse. Oh quoi que non, regarde là-bas, plus bas. En contrebas ou plus bas ? En contrebas là-bas, regarde. Attends, fais-moi voir. Attends, je vais faire un truc ici pour qu'on le repère de loin, au cas où. Oui, du napalm sur les villageois indigènes, wait. Sur une échelle de 1 à 10, on est sur un bon 8 là. D'accord. Ah, c'est si dangereux que ça, bah putain. Ouais, c'est dangereux. Attends, je vais essayer de le tuer à l'arc. Fais attention parce qu'il crache des boules de feu, en fait. Et pourquoi tu veux le tuer ? Excellent tir. Bah j'arrive pas à évaluer la distance à laquelle il est. Soit il est très gros, soit il est très loin. Non, je pense qu'il est loin. Ouais, bien sûr, on va dire ça. Oh, regarde là-bas, il y a des trucs bleus. Des trucs bleus ? Regarde là-bas au fond, là. Au fond à gauche. Au fond à gauche. Ouais, mais j'ai pas le même truc que toi, donc du coup, je vois ici. Pas. Viens par ici, parce que par là, c'est beaucoup plus net. C'est pas ça, de la vraie saleté, oui. D'accord, ah oui, mais ils sont assez militaires dans ma chatroom, hein. C'est vraiment, apparemment... Oh, et regarde, et ça, si c'est pas une espèce de bâtiment. Ah, alors, là, je vais te dire oui. C'est une sorte de bâtiment, c'est un peu. Je devrais poser... Mais qu'est-ce qu'on doit... On doit s'attendre à quoi, là-dedans ? Bah, j'en sais rien. Mais je vois qu'il y a des cochons, ils vont pas nous attaquer, puisque... Bon, attends, je marque l'itinéraire et on y va. Hier. Ouais. Ils ont pas l'air super agressifs, tu vois. Vous pouvez renvoyer les boules de feu des ghasts avec une épée sur eux. Pour les détruire. Mais après, il faut avoir le bon sens du timing. Ouais, ça c'est foireux, ça, chez nous, le sens du timing. Hein. Des méchants, c'est un bâtiment indigène. Attention, ne pas ouvrir les coffres, ils vont attaquer aussi, non. De quoi ? Ah, apparemment, quand on va rentrer dans la forteresse, n'ouvre pas les coffres. Ouais, mais quel intérêt. C'est bon, j'ai mis des marques. Si on décède, on a... Non mais, par exemple, je regrette d'avoir pris de l'eau. Préparez-vous au fight dans la forteresse, d'accord. Bon, le gloops, il a pas l'air de nous... Ah si, ça y est, il nous a vu. C'était quoi cette explosion ? C'est lui qui nous tire dessus, ce petit bâtard. Tu déconnes. Mais non, il nous a tiré dessus. Il est où ? Attends, mais c'est... Bah, je sais pas. On se fait tirer dessus. De quoi ? J'ai entendu un arc. Non, c'est moi qui ai tiré. Ah, tu m'as fait peur. Il est où le gloops ? Comment dire, ils vont défendre leur maison. Bonsoir Satsuki. Mais t'es où ? Bah, je suis derrière toi, je cherche le gloops. Mais le problème, c'est qu'il y a tous les glandus, alors bon... Bah, l'entrée est par là, de toute façon, regarde, il y a une entrée là-bas. Tu sais qu'il va falloir y aller, quand même. Oui, il va falloir y aller, bah, c'est pour ça que je descends. Tiens, on peut passer par là. Ils sont quand même vachement nombreux, Jack. Je veux dire, s'ils sont agressifs, si on ouvre les coffres... Bah, on crèvera et puis point barre. Ah, tu visualises le truc comme moi ça. Moi, je veux aller voir. Attends, c'est un truc nouveau. Ma curiosité est plus forte que ça. Ouais, non, mais moi, je veux la pierre, moi.
Oh, mais il y a de la brique et tout, c'est beau. Et c'est surtout super grand. Mais où est l'entrée? Bah, je ne sais pas, je ne trouve pas l'entrée. À mon avis, si. Tu sais comment on va faire? Je l'ai vu. Tu l'as vu où? Elle est de l'autre côté, regarde. Ah, d'accord. Elle est de l'autre côté, ouais, elle est de l'autre côté. Ok, on y va. C'est leur maison, hein. ils vont pas faire dans la douceur. Oui, non, je me doute. Récolte la verrue, du coup, si tu en trouves dans la forteresse. Ah oui, la verrue. Ah oui, là-bas, l'entrée. Par contre, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a... Regarde, il y a... Mais t'as vu les arbres? Ils ont pas la même couleur. Il y a du bleu, là-bas. Ah, mais il y a un Enderman aussi. Super. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Il m'attaque. Mais pourquoi il t'attaque? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que t'as fait, Jack? Mais j'en sais rien, j'ai plus de vie, Franck, aide-moi. Mais je fais ce que je peux, je crois. Ah, j'en ai attaqué deux. Ils sont en train de me taper. J'avais pas de vie. Mais... je suis mort. Mais pourquoi je peux pas me défendre? Bah oui, ils nous ont attaqué, on n'a pas pris leur trésor, Rémi. Bah non, bon, c'était bien. T'es où, toi? Faut aller chercher le stuff. Certaines créatures vont direct attaquer. Ah, ils attaquent même si on leur pique rien, en fait. Mais moi, le surnom que je donne aux ghasts, c'est japonais à cause de leur cri. D'accord. Salut à toi, mon cher Stool. Il frappe fort. Faut peut-être un meilleur stuff, non? Ça me paraît assez judicieux. Bah là, on est bien, on a du stuff en fer et tout, on est propre. Non, ah, tu vois, je suis d'accord avec... Ouais, non, je suis d'accord avec Julie, il nous faudrait carrément du stuff en diamant. Hein. Ouais, mais attends, on va pas retourner piocher du diamant comme des cons. Si? Ah bah, à un moment donné, ça s'appelle pas Minecraft, pour faire des omelettes, tu vois. Ouais, après, c'est vrai que peut-être qu'il nous faudrait au moins d'avoir une épée... Tu vois, genre stuff en diamant enchanté, carrément. Hein. Ah, enchanté? Ah bah, carrément. Ah, mais ils vont nous attaquer vu qu'on a plus de stuff en... Bah, on l'attente, hein, je veux dire. De toute façon, on n'a plus rien, donc... soit on leur laisse le matériel... Oui, c'est juste. Soit... après, on peut se replier aussi. Oui, minimum, full diamant. Ah, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais oui, attends, ils nous ont poulé en 2 minutes 30. Bah, on va retourner farmer un petit coup, c'est pas grave. Le feu, attention. Feu ? Il saute pas dans le feu. Ah oui, oui, en plus, on est en smoke. Attention, en là, il y a le trou. Ah, mais c'est fou. Où ça? Là, putain, le bâtard. Ah oui, toi, ils t'ont attaqué. C'est rigolo. Hein. J'aurais dû me prendre un petit short en or. Youhou! Aïe! Ça y est, je suis mort. Ah! Je suis bientôt mort. Prends du stuff en or avant de partir. Trop tard. Merde, c'est par où? Mais je te suis! Je sais pas, je suis perdu, Franck. Mais non, tu peux pas me dire ça! Mais si, c'est un fait, je suis perdu. Non, c'est pas par là. J'ai poursuivi par cochon, c'est drôle. Ah non, oui, c'est vrai, c'était à gauche, pardon. Autant pour moi, c'était par là. C'est bon. Ah bah, j'ai plus de vie. Ouais, à mon avis, je vais mourir. Ah non, c'est pas par là. Bah, je sais plus où c'est. Au secours! Au secours! C'était par là? Cours, tais-toi! Jack n'a rien en or, mais moi c'est pareil, j'ai rien en or. Hein. Ouais, on est perdu, Franck, faut qu'on reparte. Non, là on va pas repartir. Voilà, on va mourir, c'est surtout ça. Putain, les incompétents. On prend un bout de stuff en or avant de partir. Ah non, moi je vais nulle part. Hein. Mais non, il faut qu'on aille récupérer notre matos. Mais je sais pas où il est, je sais même pas où on est. Attends, je ne sais même... Je suis complètement perdu. C'est bon. Attends, je te fais des poursuivi. Je te fais des bottes. Oh, dans 2 minutes, tu sais, je te rejoins, tu sais. Eh ben, je te les mets dans le coffre qui se trouve devant les deux portes. Je te mets des chaussures. Me tire pas dessus! Ah, le connard! Mais non, mais il respecte rien. Mais il m'a tiré dessus! Je vais peut-être me prendre une petite épée aussi. Le ninja de l'amour évite les tirs. Vient de se faire fister, Franck. Fister, c'est un... En fait, techniquement, si tu veux, je suis en train de tourner comme une toupie, en fait. Y a rien, là. Ouais, mais je me souviens plus trop où est-ce qu'on est passé à un moment. En fait, tu sais quoi? Je vais t'attendre. C'est la droite 9A. Suivez la D84. Préparez des paires de bottes en or, c'est moins cher, dans un coffre à côté de la porte du Nether, à côté de chez vous, pour ce genre de situation. Ah bah oui, on apprend un petit peu sur le tas, les gens. Ah, mais il y en a carrément avec des épées magiques. Non, mais attends... Mais non, ma poule, on peut pas combattre dans ces conditions. Mais c'est pour ça, on récupère vite fait notre stuff, et ensuite... Ninja. Hop là, ninja. Où est mon stuff?
Essaie de te dépêcher de le récupérer avant qu'il disparaisse. Mais déjà, faudrait que je retrouve la sortie si tu veux. Là, je suis un peu comme qui dirait. Ok, par là. Comment je pourrais te signifier ma situation actuelle? Ta situation actuelle est merdique. Oui, bonne nuit, princesse, des gros gros bisous. Bonne nuit, princesse. Ils ont normalement une minute pour le chercher. Un demi-cœur. Oui, j'ai qu'un demi-cœur. Salut, Scorky. Il est 12, Vostov, je pense. Oui, oui, bien sûr, c'est une évidence. Pourquoi je peux plus courir? Parce que tu n'as plus assez à manger. Mais si, j'ai encore 3 jambonneaux, là. Ouais, ça suffit pas. Il faut avoir je sais plus quoi. Enfin, ça suffit pas, quoi. Mais oui, mais je peux pas fuir, moi, à cette vitesse. Putain, et par où c'était? Ah bah, je suis là, Jack. C'était par là? T'as trouvé notre stuff par là ou pas? Bah non. Tu vois bien que je suis en train de fuir, là. Ah. Alors, attends. Plus que 3, je crois. Ah, je suis mort. Finalement, c'est bon, j'ai trouvé. Le ninja d'abord s'est fait pouler. Ouais, mais ils font mal, hein, les perrins, là. Ah, non, mais ça, je dois admettre que c'était très douloureux comme expérience. Ah bah, j'ai bien vu. Après, c'est vrai que s'il faut arriver full diamant et que nous, on arrive avec nos équipements tout pourris... Tu as trop faim, Franck. Oui, j'ai vu. C'est la fin. Adios, vaya con Dios. C'est par là, je vais récupérer le stuff. Par contre, le problème, du coup, ça veut dire qu'il y a tout ton stuff à toi. J'arrive. Ouais, je vais prendre un peu ce que je trouve et puis tant pis. Attends, non. Indique-moi la zone. Attends, quand on sort du portail, c'est bien à droite. Ouais, t'étais dans la bonne direction, en fait. Je suis là dans... moins d'une minute. Ok. Si t'as trouvé mon stuff, tu restes à proximité, j'arrive. Parce qu'en fait, j'ai mis un casque en or qui était dans un sale état. Bon bah t'as plus besoin de manger, c'est ça, c'est définitif. D'accord. Bon, j'ai ramassé le maximum de trucs et toi il va falloir que tu ramasses derrière. Non. Alors attends, parce que je suis en train de revenir sur la zone. Ah, Jack. Oui. Comment t'expliquer que je suis... Il a pas pris le bon chemin. Oui, c'est ça, j'ai pas pris le bon chemin. Comment t'as fait pour rater ton bon chemin? Bah parce que je suis paumé. Ben en fait, en sortant du portail, il fallait pas prendre à droite, il fallait prendre à gauche. Ah oui, non mais oui, j'avais pas précisé ça, mais ça paraissait... T'inquiète pas, je cours, je suis à pleine balle. Quoi, tu es en train de... Oui, bah fuis. Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire, tu penses bien. Faut suivre la pierre grise. Non, en sortant, il n'y a pas de pierre grise. Après oui, je vais suivre la pierre grise. Jack a raison d'avoir posé la pierre grise, au contraire, hein, au contraire. La pierre grise, c'est très pratique. C'est très classe, la pierre. Faut que je tue le Gloops. Est-ce que j'ai mon arc? J'ai mon arc. Est-ce que j'ai des flèches? J'ai mes flèches. Je vais te tuer, Gloops. Tu vas décéder. C'est peut-être parce que j'ai emmuré leurs potes aussi. Ça peut-être pas... Attends, c'est classique, emmuré, je trouve. Petit bâtard. Alors, tu es où? Le Gloops a disparu. C'est toi qui fous le stuff or? Ah bah non, c'est un cochon. Ah bah tu dois être à proximité parce que le cochon. Je suis en train de... Ouais alors attends parce que je suis en train de remonter mais j'évite de me cramer les moustaches. Attends parce que du coup j'étais en train de récupérer le stuff et j'avais pas prévu de me faire attaquer par le Gloops. Merde, t'es où? Et merde, je sais pas où t'es. Je suis la pierre grise mais dans le doute, hein. Allez, je fais un petit peu de place dans l'inventaire, voilà. Des bisous, Julie, des gros gros bisous. Mais t'es où, Jaco? Bah tu suis les pierres grises. Bah c'est ce que je suis en train de faire, mais t'es allé vachement loin, en fait. Ah ouais, ouais, on est super loin. Hein. Putain, mais on a fait combien de chemin, là? Ah bah on en a fait un paquet. Hein. Ouais, le stuff a... Non, il a pas disparu. Bah attends, je vais essayer de le récupérer au maxi. Bah non, on récupère pas au maxi, mais... Bah j'en récupère le maximum, hein. Bah, le problème, c'est que y a deux zones pour les pierres grises, et j'ai pris à gauche. Et je crois qu'ils ont piqué des parties de notre stuff, parce que je vois qu'ils ont des boucliers. Ah bah, je suis à côté de la forteresse. Ah bah voilà, bah je suis en dessous. T'es en dessous. Je suis dans le pupitre, attends, je remonte pour te voir. Ah bah, t'es là.
Il y a encore des trucs à récupérer en bas. Il est juste en bas, il en reste encore. Attends, je te jette ce que j'ai récupéré. Attends, monte. Ouais. Hop, tiens. Un plastron en fer ? J'avais un plastron en or. Oh bah, j'ai pris ce que j'ai trouvé, ça se trouve, il reste des trucs en bas. Tiens, je te mets une pioche neuve. Bah, je te donne de la pierre, tiens, comme ça, ça va te servir. Ouais. Et je sais pas trop ce que t'avais. Ça, c'était à toi, c'est sûr. Bon, allez, bref. Attends, je vais t'aider à descendre. Attends, je vais me rééquiper gentiment. T'as pas trouvé mon bouclier par hasard ? Il doit être là-dedans, je pense. Attends, je regarde. Non, j'ai pas de bouclier sur moi. Et t'as pas trouvé mon froc ? Bah non, j'ai pas trouvé. Ah, je suis sûr que c'est eux, c'est ces petits bâtards là qui les ont tirés. Ouais, ils ont dû les piquer, je pense. Oui, parce que j'en ai vu un se balader avec un bouclier, alors je me demande s'ils nous ont pas tiré le bouclier, tu vois. C'est possible que quand ils passent dessus, ils les ramassent. Fais gaffe, parce que le gloops, il a popé quand je passais comme ça, innocemment. J'aime bien le innocemment. Non, mais j'étais complètement innocent. Donc il faut qu'on ait du stuff en diamant pour faire ça. Ah ouais, il se peut que les mobs volent le stuff. Ouais, je m'en suis douté, Putain, les voleurs, on aurait dû les buter, Franck. Quoi, tous les cochons ? Ah bah moi je suis pour, hein, mais... Attends, je vais mettre des torches sur nos... Ouais, j'en ai un peu, tiens, attends. Ouais, parce que le vrai problème, c'est que j'avais un peu de bouffe sur moi et, comment dire, je me suis retrouvé... Ah, merci, mec. Je mets des torches pour aller jusqu'à la forteresse. Et comme ça, on aura l'itinéraire de trucs. On va farmer un petit coup, histoire de se faire du matos. Et puis comme ça, on pourra faire la forteresse la prochaine fois avec des trucs enchantés, je sais pas quoi, là. Oui, parce qu'ils nous disent diamants enchantés avec des livres et épées, arcs enchantés aussi. Ah ouais. Ah oui, ça sera Vendetta, oui, bien sûr. Bonne soirée, Pat, des gros bisous. Tiens, tu peux mettre des torches sur les blocs que je mets ? Non, parce que j'ai perdu mon stuff, Jack. Tiens, prends les torches, je mets les blocs en pierre et toi tu mets les torches dessus. Oui, sans problème. Ça, on retrouve notre chemin. Oui, ça me paraît judicieux. Ah, mais c'est vrai, Pat. Ah, bah, t'as beaucoup de route, mais c'est pour un bon truc. Dans le bastion, il n'y aura pas de verrues. C'est que dans les forteresses, je crois. Alors, on fait pas, Rémi, la différence entre un bastion et un... Et une forteresse. Et une forteresse, en fait. En fait, c'est la première fois qu'on trouve un bâtiment dans le Nether. Du coup, pour nous, tout est nouveau, en fait. Alors, attends, on me dit, il faut être équipé potion, épée, arc, et être entraîné aussi. Attends. Tu m'as fait peur. Ah, attends. Alors, attends. Ta. Et être entraîné aussi, et ne pas avoir attiré les foudres de Minecraft sur vos têtes en se comportant comme des barbares avec des villageois. Ça, Yoz, me fait comprendre qu'il faut qu'on retourne au village et que je brûle tout. Ouais, il faudrait finir de tout brûler. Qu'il n'y ait plus de preuves. Bah, c'est pas ça, c'est que bon, bah. Moi, je trouve qu'ils sont trop proches de nous. Attends. Qu'on se pète pas la gueule. Ah ! Ah oui, t'es flippé à ce point-là, Jack. Merde. Non, mais au contraire, je suis respectueux, tu es sécuritaire. Je suis. Surpris et agréablement en plus. Non mais. Putain, pour une fois que je dis rien. Ça te va comme ça, les petites torchonnettes partout. Je fais le trajet, j'ai pas envie qu'on galère à la retrouver la prochaine fois. Le trajet D'accord. est suffisamment loin. Et chiant. Et chiant. J'ai pas dit, hein. Enfin, si, je l'ai plus ou moins dit. Putain, c'est par où ? Ah, mais on est hyper loin. Oh, regarde, il a une épée enchantée, lui. Mais c'est ce que je t'ai dit, il y en a qui ont du stuff. Non, mais à un moment, il va falloir qu'on les bute pour récupérer leur stuff. Hein. Mais c'est ce que j'étais en train de te dire. Je pense qu'un massacre, c'est plutôt positif, tu vois, dans l'idée. Rends compte qu'on avait trouvé le chemin depuis le début, en fait. Il suffisait juste qu'on se bouge le cul à chercher. C'est ça, c'est se bouger le cul. En fait, c'est le mot juste. C'est la partie compliquée. Hein, Mais pourquoi t'as mis ça là ? Ça quoi ? Le bloc là ? Moi, j'ai rien mis. Ah non, d'accord, c'est par là. Ok, autant pour moi. Attends, bouge pas, et à ce moment-là, pour éviter de se gourer, je mets une torche ici. Non, mais c'est bon. Je m'en souviendrai. Bon, bah, y a plus qu'à farmer. Tu sais comment on enchante, Franck ? Est-ce que vous avez l'enclume ? Alors, je crois que Jack s'est enchanté. Je sais enchanter, mais voilà.
Oui, je suis pour une vendetta sur les villageois, c'est plus opossum. Ah, mais c'est... Non, et puis c'est traditionnel. On aime brûler des choses. Déjà qu'on peut pas... Non, mais... tu sais, ce qu'ils comprennent pas, c'est que je prends pas du plaisir genre à brûler des villages et à piller les gens. Ça bah, si. Prend aucun plaisir. Mais non, mais non. Après, oh. C'est sûr que, voilà, de temps en temps, on peut se faire plaisir. J'ai entendu un glouc. Quoi, le glouc-glouc que j'ai entendu, là? Ouais, le petit... Bon, peu importe. C'est logique, le commerce, la paix. Yoz, je te taquine, c'est de l'espièglerie. Ah, attendez, il y a Rémi qui nous dit, petite info, vous pouvez faire du troc avec les piglins, les cochons habillés, en leur donnant de l'or, et eux vous donnent aléatoirement des objets. Ah, oh, en leur filant de l'or? Bah ouais, écoute, on, oh, va les fa- on va les farmer, puis si on récupère de l'or, on va tenter de faire du marchandage avec eux. Ben, oui, mais tu veux qu'on farme dans notre mine? Oui, oui, on va descendre dans la mine en bas, là. Alors, le mieux, alors, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur tes vidéos que j'ai trouvé qui était extrêmement judicieux. Il a marqué que on pouvait, par exemple, boucher, en fait. Oui, quand on a fini de... Ouais. Ouais. C'est-à-dire que quand le secteur n'a plus aucune forme d'intérêt, on bouche et comme ça nous fait un couloir, en fait. Ouais, 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 ça me paraît bien. Prends ça, prends et un seau d'eau. Bah, j'ai plus mon seau, en fait. Alors, c'est j'en ai mis un, j'en avais deux, donc je pense que j'avais le tien. Il est dans le coffre en haut à droite, quand tu regardes sur la gauche en rentrant dans le. Dans la salle des coffres. Ah. Oh merde. En haut à gauche. Merci, Ah oui. Pikachu ah, pour le oui, suivi. Effectivement, ça doit être le mien. Je confirme. Non mais c'est sûr parce que déjà moi je me balade jamais avec des coffres. Il faut être plus vivant. Ah j'ai ta hache aussi, tiens. Ma hache? Ouais, j'ai une hache sur moi. Tu l'as posée où? Ah hop. Ah bah merci, c'est effectivement ma hache en fer. Super. Alors attends parce que je voulais faire des torches. Ah et j'ai une pelle aussi, tiens. Ah c'est pas impossible que ce soit la mienne puisque j'ai attaqué tiens. La montagne donc... Je te l'ai posée là par terre. Par terre. Ah yes. Merci Jaco. Par contre, ouais, reboucher, ça serait pas con, tu vois. Reboucher. Reboucher et faire un couloir en fait pour la mine. Ah oui. Je te fais des torches. Ah oui, j'allais les faire, mais ok. Tiens, bah attends, j'en ai fait. Je t'enfile 56 donc. Oui, avec ça, j'ai de quoi faire. Oui, je pense. Par contre, je vais prendre. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Prends du bois au cas où on aurait besoin de poser un établi si on veut réparer, crafter des trucs. T'as pas pris les torches, elles sont toujours par terre. Merci ma poule. J'ai pas pris de quoi crafter un établi, mais je sais que tu l'as pris toi. Ouais, ouais, j'ai pris, c'est bon, j'ai tout. Et puis de quoi refaire des torches éventuellement. Ouais, c'est bon, on a tout. Allez, hop. Jack. J'aime cette odeur de napalm dès le petit matin. Comment ça, je mimétisme? Mais pas du tout. Par contre, la bouffe. La bouffe. Ouais, prends un peu de bouffe. Ça t'embête si je te tape tes carottes? Non, vas-y, mais mets-toi à cuire quelque chose. Le problème, c'est que la viande, je sais pas où tu l'as stockée en fait. Bonne question. Tu me remercies de l'avoir posée. Ah bah, elle est dans l'autre base. Génial. Ah, tu sais quoi? Non, mais il y a du mouton. Bah voilà, non, tu vois. Ouais, bah prends ce qu'il y a. Tu as de quoi? Tu as du charbon ou pas du tout? Oui, c'est bon. Bah non, du charbon, on va en trouver sur place. Oh, c'est quoi ce bruit là? Pourquoi il y a un... Non, mais t'inquiète, c'est bon. J'ai ce qu'il me faut. Je suis en train de préparer et j'arrive. Salut à toi, Rémi Blacko. Merci pour le follow. Gâteau aux carottes? Je sais pas s'il y a du blé. Il faudrait vraiment qu'on range à un moment donné. Pommes de terre cuites, ça nourrit mieux que les carottes crues. Bon, ça va. Bah ben c'est reparti, on refarme, donc faut du diamant, faut du stuff, je me rends pas compte combien il va falloir qu'on en trouve. À mon avis ça représente beaucoup. Tu as un bouclier? Bonne question Lovezer, j'en ai pas. De la viande, non de Franck. Comment ça de la viande, non de Franck? Pas de viande, pourquoi? C'est vachement bien non la viande. Bah il va falloir qu'on farme comme des cochons parce que le stuff en diamant, t'as pas de futale non plus, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Bah le stuff en diamant, ouais, il va nous falloir un paquet de diamants quand même. Hein. Une vingtaine de diamants chacun, ça devrait suffire. Voilà, c'est ce que nous dit... Ça devrait suffire, vu la galère qu'on a eu à trouver du diamant. Non, c'est parce qu'on n'était pas sur les bonnes couches, je pense. C'était quoi déjà les couches?
Je sais pas, 12. Oui, c'est ça, bah, on est à 12, nous. Prends ta pioche en diamant pour mieux miner le diamant. Ah oui, c'est vrai qu'on avait la possibilité de mettre... Ah oui, mais là, le problème, c'est qu'on en est mort, on a perdu tous nos points de compétence. Non, t'as ta pioche en diamant qui est là. Si tu peux me la descendre. Ouais. Mais on je aurait te pu mettre, et la dépose. Il nous avait dit d'enchanter les équipements pour avoir touché de soi ou je sais pas quoi pour récupérer plus de blocs. C'est un bon conseil. Par contre, Poupette nous dit que c'est entre 16, de 16 à 12. De 16 à 12. On est à 12, c'est bon? Bah, je vais subodorer que oui, pour le coup. Attends, parce qu'en fait, je manque de matos. Donc, je te rejoins dès que j'ai fini, en fait. Ok. Alors, il me faut un futal. Et il me faut un bouclier. Ok. Ah oui, c'est mieux d'avoir un froc quand même. Je me sens mieux avec un froc, tu sais, Jack. Mais je sais que pourtant, c'est vrai que comme tu m'expliquais hein, en privé, t'aimes beaucoup te balader sans pantalon. Alors, c'est vrai que j'aime bien être à poil. Ça, après, c'est, moi, c'est ce que je te disais, c'est juste de pas le faire devant l'école, quoi. Malheureusement, il ne faut pas perdre vos points d'expérience, la barre verte. Ah, enchante fortune sur la pioche pour maximiser les récoltes. C'est noté, Zador. Mais t'es où, Jaco? Bah, je suis dans la mine. Et t'es descendu? Ouais, tout en bas. D'accord, tu vas pas être très content de ce qui va se passer. Parce que... Parce que ça a pété. J'ai entendu un orage. Non, c'est moi, je viens de me faire péter en fait. Ah non, là j'ai... C'est un orage que j'entends. Chez toi? Oui. Non, c'est un orage que j'entends dans le jeu. Ah d'accord. Non, parce que en fait, comme j'ai eu un creeper, je me suis dit. Et voilà, je suis perdu encore. Putain. C'est un truc de fou. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment qu'on ferme les mines où on va plus, quoi. C'est. C'est... Alors quand tu sors de la base, t'as à un moment une petite descente. Alors en fait, je suis au niveau des escaliers. Voilà, je suis descendu tout en bas. Il y a trois torches et je sais plus où il faut aller. Il est là mon vrai problème. Attends, je vais venir te chercher parce que c'est vrai que moi je suis descendu souvent farmer. Du coup, je connais un peu l'itinéraire. Ouais. Alors attends, tu sais quoi? Je t'attends au niveau des escaliers. Comme ça, sera peut-être plus aisé, je pense. Et attends, je suis sûr de te trouver. Je remonte. Pensez au cuir et canne à sucre pour les livres et max d'XP et le lapis. Alors le lapis, ouais, ça je sais. On a déjà les gens, on a déjà on a déjà tout ce qu'il faut en termes de bibliothèque. J'ai tout crafté, on a tout. Bonne nuit nomade, des gros bisous. Alors on me dit qu'on gagne de l'XP en faisant des échanges avec les villageois. Oui, c'est vrai. Putain, il y a Clodo ici. Bah oui, voilà, évidemment. Attends, je viens de chercher, Franck. Oui, bah... Prends ton temps. Tu sais, je suis quelque part en sécurité, hein, donc... Bah, je me dis bien, t'es pas le genre à t'exposer à des dangers... Oh bah non. Moi, ce que j'attends, c'est que ma cible soit faible, hein, c'est surtout ça. C'est ça. Si elle est vieille, elle tousse, tu vois, c'est encore mieux. Ah, ça y est, je t'ai vu. Okay. Ah, je te vois, mais je sais pas par où tu es passé, en fait. C'est vrai que j'ai vu ton pseudo à l'instant. Ah mais moi je le vois ton pseudo mais en tout petit. Hein. Vraiment c'est Rick qui... Rejoins-moi à la base. J'ai pas besoin. En fait je crois que je suis descendu trop bas. Ne bouge pas. Ouais je pense qu'effectivement fallait pas emprunter les escaliers. Ouais non faut qu'à un moment donné on clôture les trucs hein, parce que sinon on n'y arrive pas quoi. C'est bon je te vois. Je suis là. Ouais, descends pas par là, fais le tour de l'escalier. Voilà, c'est par là. Ah ouais, non, il faut vraiment qu'on clôture, Jaco. Hein. Ouais, mais moi je m'en sors, moi j'ai l'habitude. T'entends l'orage là? Ah ouais, c'est fou. T'as vu, on l'entend vachement bien alors qu'on est à l'intérieur. C'est pas logique. On va peut-être le voir à l'intérieur. Et attends, et je te montre l'entrée de l'endroit où je mine parce que j'ai mis tout ce qu'il faut pour farmer. T'es descendu? Oui, non, mais ça, je m'en souviens. Oui. T'inquiète, je m'en souviens, t'avais mis des ateliers et tout le... Oui, on a tout le bordel qu'il faut. Et on a de quoi refaire notre matos, des coffres pour mettre la merde qu'on récupère. Hmm.
La faille est peut-être à ciel ouvert. Ah, c'est pas impossible. D'où le bruit de l'orage. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vachement moi, grand. Ouais, moi je suis parti miner à droite ici. T'es parti miner à droite. Hop, ouais, ici. Mais moi j'avais pas fait une galerie sur le côté. Oh bah, y'en a. Y'a rien de chier quoi. En fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'il faut miner de 1, 2, et ensuite tu peux partir tout droit en laissant les deux blocs, tu vois. T'as un bloc, et tu mines. Un bloc, un bloc, et tu mines. Et tu fais des grandes lignes tout droit. Bah, si tu veux, j'attaque. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Bah, moi je vais au bout. Je vais faire en parallèle à toi. Oui, c'est plus simple. D'où le bruit de SMR orage. Je vais mettre de la lumière, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. C'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de poser des torchouilles. En fait, l'intérêt des torchouilles, c'est surtout que les mobs ne spawnent pas. Ouais, 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 tout à fait. C'est pas tellement pour nous, parce que nous, on arrive très bien à s'en sortir, mais. Pour pas changer à chaque fois. Je savais pas ça. Ah putain, mais c'est trop trop cool. De attends, quoi? Et ça marche? Oh mais c'est trop bien. Remplace ton bouclier par les torches. Ouais, génial. Salut Freddy, comment vas-tu? Ah oui, c'est drôlement commode. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de localisation verticale sur Minecraft. D'accord. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah t'as vu, et tu peux bosser vachement plus vite du coup. Ouais tranquille ouais. Parce que là où tu cherches comme un benet au final, c'est quand même au poil tu vois. Puis ce qui est cool c'est qu'on va refaire notre stuff de fer. Ouais. Parce que l'air de rien on avait quand même mangé un gros paquet. Ah bah. Parce que faut quand même reconnaître qu'on s'est bien fait éclater comme des merdes dans la forteresse. D'ailleurs, on n'est même pas rentré, je crois, dans la forteresse. J'ai peut-être mis un orteil dedans, moi. En fait, le seul truc que j'ai vu, c'est toi qui étais juste à l'entrée et qui a commencé à courir comme un lapin et poursuivi par trois mecs. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis rentré en me disant c'est les cochons comme tout à l'heure, ils vont pas m'attaquer. Et pas du tout. Pas du tout. La velléité était totale. Hein. Le piège était mis en place. Oh, j'ai trouvé du fer. Bah, prends, parce que ça va nous servir à refaire du matos. Oui, monsieur. Par contre, ouais, tout le stuff en diamant et tout ça, ça va être... Ah bah ça va. Faut pas être... Faut pas qu'on tombe dans la lave, moi sinon je fais une dépression. Bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de bol au niveau du diams, faut être honnête. Hein. Ah bon? Je sais pas, moi je me rends pas compte, je trouve qu'on en a trouvé beaucoup. Après, moi je pensais que ça servait que pour les pioches. Écoute, de toute façon, on va pas se mentir, hein, là pour le moment. Bon, après on découvre aussi, hein, donc des conneries on en fait, on est obligé. Hein. Ouais, déjà que quand on découvre pas, on fait des conneries, alors vous imaginez bien les gens que quand on découvre, c'est encore pire. Ah, on me demande si on a déjà l'enclume, j'ai pas vu d'enclume, je crois pas. Non, on n'a pas d'enclume. Ben, on en avait fait une, je crois, mais on savait pas trop à quoi elle servait. Oui, c'est vrai, exact. Les mobs spawn derrière toi, Franck, en cours de minage. C'est une expérience très désagréable. Oh, Surtout quand c'est un creeper, non? Non, mais c'est pas ça. Derrière, bon, c'est à moi qu'on parle, hein. Derrière, Jack, hein. Cet homme est incroyable. Merci. Ma maman, elle m'a toujours dit que j'étais spécial. Elle avait raison. Je suis une sainte femme, tu sais. Enfin, c'était. Pardon. Oui. Oui, il faut descendre très bas pour le diamant. D'accord. Pour le diamant, il faut être à la bonne hauteur. 3 blocs de fer et 4 fer. Quoi?
Dans l'atelier, vous pouvez crafter des torches bleues au milieu, en bas, sable des âmes dans le Nether. Au-dessus, un bâton et au-dessus du chat. Oula, attends. On vient de me donner une info, mais j'ai rien compris. Alors peut-être que toi, tu vas faire le raccord. Je pense dans pas l'atelier. Dans l'atelier, vous pouvez crafter des torches bleues, entre parenthèses, au milieu, en bas, le sable des âmes dans le Nether. Au-dessus, un bâton et au-dessus, un charbon. Ah d'accord, il me donne le truc de craft. En gros, il faut mettre au milieu un cube de sable des âmes. Ouais. Au-dessus, un bâton. Et au-dessus, un charbon. Et ça fait quoi? Parce que du coup, j'ai perdu bleue. Le fil pendant que tu expliquais. Ben, ça fait une torche bleue. Et elle a quoi de plus? Je sais pas, elle est bleue. Ah oui, d'accord. Ah ben, j'en sais rien. Tu vois, on me dit une torche bleue, moi je suis plutôt quelqu'un de pragmatique, je vais me dire, bah c'est bleu, tu vois. Non, mais ça peut avoir son utilité. En termes de déco? Alors, salut Jack, vous pouvez enchanter des armures et des armes en fer déjà avec une table d'enchantement, ça sera sûrement suffisant pour les forteresses, nous dit Adanur chez moi. Ah, bah d'ailleurs, comment va-t-il? Bah écoute, je ne sais pas, parce qu'il faut bien voir qu'on est quand même des gros nuls et qu'on s'est fait éclater dans le Nether. Hein. Donc, on n'est pas des gros nuls, on découvre. Non mais, c'est faut peut-être qu'on compense, on va dire, notre noobisme en ayant un stuff plutôt conséquent, non? Alors, moi je suis pour l'artillerie lourde. Bon, ça tu le sais déjà de base. Oui, je sais. Donc, si tu veux, si j'y retourne, je veux le minimum syndical. C'est que du stuff en diamant. Ah, diamant trouvé. Ah, bien joué ma poule. Oh merde, ta pioche en diamant, je l'ai avec moi. Ouais, c'est pas grave. Bah, on va pas récupérer plus de... Aussi, on va peut-être récupérer plus de diamants. Attends, tu viens à ma rencontre? Oui. Alors attends, je sors de mon trou, j'arrive. Je mine sur les côtés. Attends, j'arrive. Je suis à toi dans... Voilà, je suis là. Tiens, je veux bien que tu me files ma pioche. Ouais. Ah non, ça c'est ma pioche. Attends, ça c'est à toi. Oui, merci. Si c'est très aimable. Hop, j'ai pas la pioche. Elle est où? Non mais attends, 2 secondes. Oh là là, elle est là, sous le bloc. Avance, banane. Ah oui. Oh là là. Oui, mais il faut poser ça correctement, Franck. Oh, mais elle était posée correctement, tu me perturbes. Oh, je sais, Franck. Oh putain, je suis fatigué de creuser. Hein. Je crois que je vais faire une petite pause, là. Alors, on a commencé il y a 5 minutes, Franck. Non mais je le sens bien, je suis en train d'hyperventiler là. Je me sens pas bien là, tu vois. Elle n'a rien de plus, elle est juste différente des normales pour vous repérer. Ah, tu vois. Un bazooka. Non mais je fais une petite pause. J'en ai besoin, je sens bien. J'ai parce que j'entends de la lave pas loin. Ah, ça fait du bien. Franck, imagine tous les trésors que l'on trouve au creusant. Bah là, pour le moment, j'ai rien trouvé, hein, à part de la caillasse. Franck, il a pas de peau au niveau du diamant. Eh ben, ça m'est arrivé lors de... Bah, sur la première base, j'en ai trouvé une fois. J'ai pas de cul. Je trouve du fer, je trouve du charbon, je trouve de tout, en fait, mais... Bah, mais... Ah si, du lapis. Ça, j'en ai trouvé beaucoup, par contre. Bah, le lapis, ça permet d'XP. C'est pas mal. Ouais, enfin, ça me fait une belle jambe. Je veux du diams. Oui, non, mais je suis d'accord. De l'or et t'adores. Par contre, tu vois, quand on retournera là-bas, moi je te propose une méthode qui est simple. Vas-y. Dès qu'on rentre et dès qu'on encourage, on les bute tous. Tu vois, c'est juste pour leur faire apprendre le respect, tu vois. Et une fois qu'on aura fini de tous les tuer, on brûle leur forteresse. On la démonte. C'est bien, ça me va ça. Non, mais c'est pour faire un exemple, hein, bien sûr. Évidemment, on n'est pas des brutes. Bah non, tu crois franchement... Oh mon dieu Jack, diamant. Il suffisait que je le demande. du lapis à du... T'as compris quoi? J'ai compris. J'ai trouvé du lapis. 6 diamants. Ce qui représente une... Bon ça va, c'est bien. 6 diams, c'est bien. Ouais non mais 6 diams, c'est bien. Vous êtes peut-être un peu haut pour le diams. Bah non, puisque Jack il a trouvé... Les villageois devraient creuser pour vous et payer une taxe en plus en or.
Mais je sais bien, Gnar, mais j'ai pas l'impression que le jeu ait incorporé ce jeu, l'esclave, ah, le salariat. Enchanté des bouquins est très utile aussi, à combiner au stuff avec une armure. Ah, on peut enchanter des livres. Ah. Salut Korean Gaming. Ah, ça c'est cool. Je suis un brin désespéré, Jack. Est-ce que t'arrives à trouver ce que tu veux? Bah, d'où le je suis un peu désespéré, Jack. On arrive à trouver de la terre dans ce coin-là. Du fer. Bon, je suis honnête avec toi, je prends le fer. Hein. Oui, non, mais il faut le prendre, hein, le fer. On en a bouffé une quantité. Ouais, bah moi je vais aller vider mon sac. Je suis on déjà a bouffé plein. Une quantité astronomique. Et tu sais qu'en remontant, ce qui serait pas mal, c'est qu'on ferme les couloirs qu'on n'utilise plus, quoi. Ouais. Parce que franchement, c'est l'enfer, quoi. Après, je toi, tu y, descends, ouais. Tu y descends régulièrement, mais moi, pas. Après, je ne sais pas comment statistiquement, tu vois, les machins sont répartis, dans le sous-sol, quoi. Ah! Oui, je vois ce que tu veux dire. Genre, si on trouve du diamant, est-ce que ça vaut le coup qu'on reste dans la zone parce que ça veut dire qu'il y en a d'autres un peu plus loin ou au contraire, est-ce qu'on a déjà tondu le truc? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce type de villageois apprécie le papier et l'émeraude. Alors attends. Les villageois, vous êtes peut-être. Pourquoi t'as pas fait une pioche en diamant pour toi-même? Parce qu'on en a pas beaucoup, déjà, et que je vais me contenter de ce que j'ai, quoi. Ah, tu peux aussi, y a Rémi Blacco qui nous précise, tu peux pêcher aussi des livres enchantés. Ah, alors ça oui, ça c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais on peut pêcher plein de merdouilles en fait. Oui, bah ça je me doute bien, de toute façon quand il y a une activité casse-couille, toi t'adores parce que tu peux récupérer tout un tas de trucs à la con. Ça, alors, pour je ne récupère pas, Quand il s'agit de faire des trucs chiants, Franck, il jubile. Ah oui, alors, vous le voyez pas, mais il est en train de se frotter les mains en faisant « Oh, génial !» Non, mais moi, je l'adore, donc automatiquement... Une chiante voilà. Et redondante. Oui, mais... Et, ceci dit, il faut faire plaisir à tout le monde. Oui, non, mais évidemment. Jack. Ouais. J'en ai marre de creuser. T'as trouvé du diamant? Non. Bah continue de creuser. Tu remontes pas tant que t'as pas ramené ton quota de diamant. Fais dans ta mine, jeune homme. Ça va nous prendre un temps de ouf quand il réfléchit. Bah, c'est Minecraft quoi. C'est... Ouais. Ouais, je comprends mieux l'engouement pour le diamant. Hein. Ouais, bah, moi je comprends pourquoi les youtubeurs ont choisi Minecraft. Hein. Tu m'étonnes qu'ils ont du contenu. Non, bah... Voilà, ça c'est fait. C'était un tir gratuit. Oui, mais c'était très drôle. Oh, quand les gens sont spécialisés là-dedans, ils font pas. Tu vois, ils doivent faire un peu de montage quand même. Ils peuvent pas. Non, t'imagines, tu vois le mec miner pendant 2 heures, t'es là, tu fais ouais, c'est cool. Oui, non, mais voilà. Je pense que quand même, ils essaient de travailler un peu le truc. Quoi. Alors attends. Puisque tu posais la question sur l'algorithme, attends. On peut avoir des livres enchantés avec les villageois libraires. Ah, d'accord. Ce type de villageois apprécie le papier et les modes, c'est ce que tu m'expliquais. Et Mindbuilder a marqué X-Boy 4 a confirmé que l'algorithme de création de monde a changé l'année dernière. D'accord. En général, je creuse des couloirs de 2 de large et séparés de murs de 2 blocs pour essayer de rien rater. Alors moi, c'est ce que je fais. Je mets 2 blocs, voire même parfois 3. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire avec Franck. En fait, ah non, Franck avance en parallèle. Non, pas du tout. Moi, je suis sur un bloc. Alors que, tu vois, moi, d'habitude, je... Oui, non, en fait, moi, je fais des colonnes, des couloirs de 1. Mais ouais. je fais des couloirs tous les 2 blocs. Tu fais des couloirs tous les 2 blocs? Bah, en fait, je fais... Je fais un couloir, ensuite, je saute 2 blocs, je refais un couloir, et ainsi de suite. Par contre, j'entends, je crois, de la lave à côté de moi. Ouais, méfie-toi de la lave. Hein. Oh, merde, j'ai plus de pioche. Je fais de la cartographie, je pense que ça te plairait. Oh, cartographie. Tu rigoles, mais c'était un cours que j'aimais beaucoup en université. Ouais, mais si tu fais l'enchantement fortine sur la pioche rapidement, tu mines moins vu que tu récupères bien plus vite des diamants. Ah, je vais aller voir si je peux le faire. De quoi? L'enchantement fortune. Oui, mais ça, c'est pas la première fois qu'on nous le dit. Mais on peut le faire? Bah, je vais aller voir.
Ah, ça serait gagnant. Ah bah, ça serait tip top, hein. Bonne nuit, Légis, des gros bisous. Ah bah, si tu trouves de l'or, ça serait parfait. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille leur péter la gueule à ceux qui sont à l'entrée. Voilà. Ils ont de l'or. J'aime l'or. J'aime péter des têtes. Ah non, mais en même temps, t'as raison. Hein. Quand il s'agit de péter la gueule à des trucs, faut tout de suite être un petit peu festif. Bah, il faut être festif et puis surtout rationnel. Je vais là où il y a l'or. Est-ce que t'as trouvé du charbon, pardon ? Monsieur. Ouais. Genre beaucoup, oui, j'en ai trouvé, ouais. Ah bah c'est bien ça. Ah, c'est bien. Ah oui, il y a Malouin qui met les youtubeurs montrent rarement leur séance de minage, ça me surprend pas. Sûr, évidemment. Non mais c'était pour rire, hein, ce que j'ai dit sur les youtubeurs Minecraft, c'est... Au contraire, moi je trouve que les mecs, ils connaissent le jeu, les mécanismes, enfin... Bravo quoi, on sait qu'il y a une technicité quoi. Bon après c'est sûrement pour montrer aussi des trucs que tout le monde connaît. Je sais pas, parce que la dernière fois, je te dis, j'ai regardé un jeune, c'est un américain. Franchement, il craftait des maisons et tout. Alors, il était en mode créatif, c'est ça ? Ouais. Et honnêtement, le mec, il a le compas dans l'œil, hein, parce qu'il a construit une espèce de maison moderne, comme ça, en deux coups de cuillère à peau. Ça lui a pris, grosso modo, sans te mentir, 10 minutes. Ah la vache, putain, ouais, c'est rapide. Et joli, hein, en plus. J'étais là, je fais, putain, c'est beau, hein. Les villageois, ils continuent de faire des cœurs. Oh merde, putain, il y en a plein. Franck, tu leur as redonné du pain? J'ai rien filé du tout. X égale mur, mon Dieu. Zéro couloir. Qu'est-ce qu'on a fait, Franck? Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est toi. C'est Sodome et Gomorre, ce village. Tu me dégoûtes, ils copulent tous. Est-ce qu'ils sont mariés, au moins? Pas du tout. Des hérétiques. J'arrive, je vais tout brûler. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Je finis dans mon trou et j'arrive. J'entends ton chat qui... Oui, c'est ma poupette, celle que tu entends là. Ouais, j'ai reconnu. Ah oui, parce que le chat raptor ne fait pas le même bruit. Hein. Je vais en profiter. YouTube, à la prochaine.